Salut les gamers, on se retrouve sur Europa Universalis 4 avec le Portugal et toujours en train de courir partout pour lutter contre les rebelles. Donc il me faut un général, l'armée là pour lutter là-bas. Tiens, j'ai des bateaux ici qu'il faut qu'ils montent là. Toi, il faut aussi que tu montes là. Non, il n'y a pas de général ici. Non plus. Et il est où ce général? Voilà, j'ai un général ici. Et 17 000 hommes, ça fait beaucoup, 17 000 hommes, je pense. Donc les 17 000 hommes, faut venir ici. Là, je te mets lui aux commandes. Non, tu viens ici. Et eux, c'est à Gibraltar. Donc on va faire patienter un petit peu. Ah, tu y vas toi aussi. Encore un soulèvement, mais arrêtez de faire des soulèvements. Apprenez un peu à vivre en paix. Ça me fait combien d'hommes ici? 14 000. Il fuit où? À Tartiflette. À la Tartiflette. Huron. On a gagné. Bien, retournez en arrière. Là, dans mon écran de contrôle, j'ai 21 bateaux regroupés comme ça. J'y comprends plus rien. Ce sera déjà mieux. Est-ce que j'ai encore des bateaux en construction? J'en ai encore deux. On va attendre. C'est quoi ma doctrine? Doctrine militaire. Est-ce que j'ai eu ma science? 6 ans, donc je peux l'apprendre. Voilà, le coup de la cavalerie coûte pas cher. Allez, on se rapproche, mais je suis toujours trop loin. Ok, donc ils ont finalement entré en rébellion. Oh, ils sont entrés en rébellion partout. C'est la perte de liberté, je te rappelle. Avec la France, ça donne quoi au final? Plus 14? C'est pas mal, mais c'est trop peu. L'Autriche toujours en guerre. La S, personne qui veut être pote avec moi? Les états pontificaux, peut-être. T'as Aragon, ils ont pris Venise. Est-ce que... Non, franchement, c'est trop chiant. Alors, Tartiflette. Et j'en ai marre de leur courir après. Ça vous dit pas de crever, quoi? 15 ans que... Ce tas... Ok. Bon, pas de soucis, hein. Les soulèvements, franchement, limite, faites-les 10 par 10, on gagne du temps. Alors, toi, il faut que tu ailles t'occuper de celui-là, puis tu vas là. J'ai un conseiller qui est mort, c'est celui-là. Je vais reprendre le talent diplomatique. Ici, normalement c'est bon, mais parce que je vais pas laisser autant d'hommes ici, c'est beaucoup trop. Sélectionner l'armée. On va laisser 6 000 comme ça, 3 000 comme ça et un canon. Ce groupe là il se casse. Je vais laisser juste 10 000 hommes pour gérer ici. Les chacals. Oh putain, 20 000 à Tunis. Mais c'est abusé. Parce que c'est eux 20 000. Celui-là, je sais pas quoi en faire. Vous allez faire tic et tac. Et normalement. C'est censé être. Ah. Juste avant qu'on parte. Ok, assimilation, une bataille. Ah, une colonie qui s'est finie, c'est bien. Du coup, ça veut dire que j'ai ces méclats disponibles. Venez là. Ça fait un bateau de plus qui va revenir ici. Ok, eux ils se tapent. Normalement, eux, ils ont dû rejoindre les transporteurs, donc dans les bateaux. Et on va tout de suite vous ramener. Il faut être cash. On va aller à Telsen. Ça va être compliqué. Est-ce que j'ai encore des bateaux en construction? J'ai un bateau qui est quelque part qui m'attend.
Non, si, c'est celui-là. C'est une frégate ancienne. Ok, donc je prends cette armée-là. Tout ce qui est transporteur, je vais les caser ici. Ils vont s'occuper de l'Amérique du Nord. Alors, faut qu'ils arrêtent avec les soulèvements, j'en ai marre. Je lis que ça de toute façon. Chaque fois qu'il y a un événement, c'est un soulèvement. Soulèvement à Bracna. Vous maintenant, vous passez à Fès. Tunis, ok, j'ai fait durer comme j'ai pu. 33 000. Oh. Gibraltar, ça a fini par tomber. Pareil, lui aussi, qui est aussi, c'est aussi un groupe immortel. En fait, toi, tu vas libérer tes copains ici. Comme ça, on pourra tuer les rebelles du haut. Un siège qui est tombé? Lequel? Non. Alors, qu'est-ce qui me reste? Enfin, faut que j'aille aider en bas. Et après, il va falloir que je parte à Tunis. Je veux plus jouer. Ça c'est. Ah non, il y a un navire de commerce dedans. Donc le navire de commerce, il va rejoindre ici. Et enfin, peut-être que de transport. Et vous, vous allez assurer le commerce à Tunis. Donc là, ils sont bien déposés. Je vais vous trouver un chef. Bonne question, où sont mes chefs? Je peux pas. Ok, ça c'est impossible. Mes colonies, je peux pas les continuer. Voilà, j'ai un chef ici. Tac. Tu t'en vas. Tu vas du coup aller là. Et c'est lui qui va s'occuper de repousser à Grenade. 14 000 hommes, ils avancent. Ok, en fait, il y avait un chef qui était juste en dessous. Non, franchement, s'il vous plaît, arrêtez de tuer mes hommes. J'ai pas d'hommes déjà. Combien j'en perds? 2 400. Et il faut aller récupérer Gibraltar. Bon, et quand est-ce qu'il arrive enfin au pouvoir, ce roi de Médeux? Il a quel âge? 13 ans. Ça devrait plus tarder. Bracna, c'est fait. Ensuite, vous allez là. Ok, ici je vous fusionne et vous partez ici. Et une fois que vous avez fait ça, je vous retrouve là-bas. Bon sang, on n'arrête pas. Ça c'est fait et je vais finir par investir un dernier point en stabilité. Normalement, les rébellions, ça, sont pas câblés du tout encore. Sont encore énormes. Mais c'est pas possible ça. Pourquoi est-ce que les rébellions, pourquoi est-ce que les relations sont si pourries que ça? Attendez, ça je contrôle. Ici, est-ce qu'il y a un petit. Là, lui, il voudra jamais que je le fasse. Donc ça sert à rien. Ok, soulèvement, je m'en fous. Surplus, on s'en fout aussi. Est-ce qu'il y a de quoi faire une colonie par ici? Ah oui, je peux faire une colonie ici. Hop, ils sont combien? Bah allez-y tous, on s'en fout. Bourrés, ils sont combien? 10 000. Comme d'hab, quoi. Vous, surtout vous, gênez pas. Traversez la zone où il y a le plus d'attrition. Il n'y a pas de problème. Les bateaux, évidemment, que vous devez sortir. Ça vous permettra peut-être d'aider le siège. D'aider le siège? Non. Niagara est terminé. Du coup, je peux lancer les provinces suivantes. Oui, presque fini, allez. J'ai 8 de légitimité, 8. Alors toi tu vas venir ici, là. On fait ça, vous sortez. Hop, dans les bateaux. À Djerza. Parce que on a beaucoup de rebelles à tuer. Je passe mon temps à tuer des rebelles, mais il n'y a que ça. Tunis qui est tombé, évidemment.
Putain, eux ils sont combien? 10 000. La France qui commence à me faire chier profondément là. Ah, ils se sont barrés en Alger. Bah, on va voir ça. Ah oui, bien sûr qu'avec la quantité qu'ils étaient chez moi, à Alger, non, ils vont perdre. Alors normalement, facteur, je fais l'aveugle, c'est les Caraïbes. Je vais ici. Et je regarde, Libération des Caraïbes, 11%. Allez, pas de soucis, tac. Payer plus de thunes. Oh, je suis blindé, j'ai 900. Donc, les dernières casernes. Enfin, pas les dernières, certainement. Mais on peut acheter beaucoup de casernes avec ça. Tac. Ah, quoique peut-être. Ah. Caserne. Je peux encore en acheter une. Ah bah, pas mal. Bel achat de caserne, des temples. C'est fait. Allez, continue. C'est qui. On est quand même à une 890. Ok, donc ils ont traversé Alger. Du coup, allez, on intervient. Ils se sont bien dispersés, normalement, il n'y a pas de souci, c'est parfait pour nous. Désir de liberté. Trois, ils ont toujours 10 000 en bas, splendide. Je sais même pas c'est qui Bardoz. Alors, vous pour commencer, vous allez vous faire celui-là, puis vous allez là. Et au pas de course. Ok, la férocité. C'est quoi? Commerce, on en est où? 3 ans, non. On garde pour la technologie. Ok, allez, allez. Tu le tues cette fois-ci, tu le tues? Oh, c'est du. Oh, c'est chaud! Oh, c'est chaud qu'on oh, c'est chaud qu'on prochain là. On perd même! On perd! Non! Jour de rébellion. J'ai perdu. Ouf. Allez, normalement, si bon, je sais même plus quoi dire là parce que. J'ai encore pris une. Oh, 5 000 d'effectifs. Oui, ça fait plaisir. Bourré, ils ont réussi à prendre bourré. On va retourner se battre à bourré bientôt. Bah eux. C'est eux qui auront libéré bourré. Non mais c'est. Je passe mon temps à me battre contre des rebelles. Bon, il reste plus grand-chose. Tunis qui a récupéré, c'est bien. Maintenant que tu as récupéré, tu vas passer là. 35%, il n'y a pas de problème, allez-y, 42%. Du coup, dans les bateaux, toi tu vas aller à Gibraltar. Comme ça, moi je vous regroupe. Fais ce qui est tombé, oui. Alors toi, tu vas aller ici et puis tu feras ça. Ensuite, on a de la thune, sauf que maintenant j'ai du gros retard technologique, donc je peux plus acheter de bâtiments. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Ah si, c'est ce que je vais acheter. Non, pas des bâtiments, j'ai dit justement. Des bateaux. Des frégates anciennes. Allez, hop, plein. Voilà, acheter, on achète 12, il faut au moins 20 pour commencer. Et on va même aller à 25, y a pas de. Ah bah non, on n'ira pas à 25 parce que de toute façon j'ai pas les moyens. Mais pile à 20. Là. Ça, c'est récupération en cours. On est re de nouveau 20 000 hommes. Ok, on fait tomber, on récupère bourré et vous remontez. 28% et eux, est-ce qu'ils sont. Non, ça va, ils sont moins efficaces que nous cette fois-ci. En même temps, j'avoue que j'ai trop trop score de siège.
à la bonne heure. Une nouvelle colonie qui s'avance bien. 63% bien sûr, allez. 70? Allez, franchement, je le vois bien, un bon petit 70%. 80%! Allez, 90, 90, 90. Dommage, on n'aura pas les 90%. Allez, maintenant, faut tracer pour venir ici. Non, par contre, préférence, vous allez passer par la côte. Ça va être légèrement plus long, mais au moins, on va économiser des hommes. Les premiers bateaux se terminent. Je vais commencer à les regrouper. Et... Non! Bon, c'est que gérer les bateaux pendant que le jeu tourne, c'est pas facile de les choper. Voilà. C'est de là. Il y a l'armée française, la France qui est en train de me piquer la moitié du terrain juste en dessous, quoi. On est habitué à ça. Ils sont 20 000. Du coup, comme ils sont 20 000, on va sortir toutes ces troupes-là en plus. Vous allez à Tanger. Vous, on se retrouve à Tanger. C'est quoi ça? Faillite marchande. Quitte. Bah, tu quittes Tunis. T'inquiète pas que je vais te renvoyer, mec. Là, on les regroupe, c'est déjà pas mal. Alors, il en est où mon marchand par rapport à Tunis? 25 jours. 20, 13, 9, 8, 7, 0. Ok. Bien sûr, le droit d'attaquer les Ottomans. J'irai très bientôt, hein, pas de soucis. Ça a toujours été mon rêve de faire la guerre aux Ottomans. Sauf dans une situation pareille. Voilà, il faut que je renvoie le marchand à Tunis pour collecter les revenus. Les colonies, aucune n'est tombée. Le désir de liberté en moins. Une conversion de réussie, ça c'est fait. J'ai plus le droit de faire la guerre à cela. Massina. Allez, allez, on s'y remet, on s'y remet. Les chacals. Oh, les lourds, putain! Non mais... C'est scripté dans le jeu qu'il n'y ait qu'un seul événement qui existe et c'est des rébellions chez moi. Là. On relance 30 000 contre 20 000, mais c'est juste, juste. Ok. L'Autriche qui s'amuse, donc ils vont être combien? Ils vont être 13 000. Alors, sélectionnez l'armée. Et je veux tout ce qui est plus. Toutes les grosses armées. Ça, ça, ok. Là, les blocs 2000. Bah, il n'y a pas grand chose dans le bloc 2000. À part au niveau des canons. On va mettre des blocs de 900, c'est pas mal aussi. 800. 800. 800, voilà. Ce bloc-là, il part ici pour lutter contre la révolte. Et l'autre bloc, on va le couper en deux. Et il va s'occuper de récupérer les terrains. Allez, ça fera mes 20 bateaux. Ok, 20 bateaux. On va les envoyer. À Tunis. À Tunis. Comme ça, j'ai deux flottes sur Tunis. Allez, les 20 000, on se dépêche. Malgré tout, je gagne quand même pas mal d'argent. Bon, ok, mon soulèvement a quand même eu lieu. On peut pas l'empêcher éternellement.
Oh là, comment ça se fait que cette guerre on la gagne comme ça? Castille, Colombie. Ah, ok, c'est le Brésil qui a attaqué, c'est pour ça. Si le Brésil attaque, c'est sûr qu'ils n'ont aucune chance. Ah, j'ai 20 000 hommes ici. Ah non, je vais pas laisser 20 000 hommes ici, c'est beaucoup trop. Ou alors qu'il y a. Ah si, il y a les deux. Il y a ceux-là qu'on peut attaquer. Je vais rester là, parce que si j'attaque ceux-là, ça peut être intéressant. Le siège qui est repris. Et le dernier siège. Bah, je vais quand même laisser la flotte pour aider le siège. Ça, j'y pense jamais. Un nouveau pape. Ça aura fait des papes. Ok. Ah, bah c'est fini. Quoique, attendez. Mettez-vous ici, parce que de toute façon, on va certainement aller zigouiller le Mali. Il reste plus que ça au Mali. Les Anglais qui attaquent les Aztèques. C'est-à-dire que j'avais une situation magnifique pour faire la guerre aux Aztèques, enfin aux Anglais. Et il y a eu tellement de rébellions que on n'a pas pu, on n'a rien pu faire. Bon bah la situation a l'air d'être pas mal. Je suis encore à combien? 700. Je vais acheter les derniers bateaux qui manquent. Encore 20 bateaux de, encore 20 frégates. Allez, on est parti. Hop, c'est assez long. Seize, 17, 18, 19 et 20. Et la technologie, c'est celle-là, c'est parfait. Eh ben, je vais arrêter cet épisode. Bon, normalement, on est, la situation s'est bien calmée. Et il y a peut-être des possibilités qu'au prochain épisode, on commence enfin réellement à jouer. Donc, merci de m'avoir suivi et au prochain épisode. Ciao tout le monde!